C'est quoi l'excuse là? Ouais, mais ils sont pas au sniper, ils sont à la mitraillette. Tiens, ça c'est Gotaga. On est prêt pour jouer. Oh ouais. Oui. Ah bah, oh ouais. Quand t'assois que ça compte. Oh, oh par contre, le setup. Viens de sortir sa petite liasse là. Oh ils sont trop durs. J'étais à deux points de la pince. Donc je suis allé en Corée, ma motivation pour aller en Corée du Sud c'était je vais me faire opérer les yeux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins 11,5 et moins 9. Et je bats des records, même dans la perte de vue. Trop une vue de merde, on est obligé de faire des implants. Le truc qui s'appelle ICL. Ça m'a coûté 4000 balles, ce qui est normal. Je décide de me lancer, on va en Corée du Sud. Très bon voyage, il y a la crime partout. Après, taxi pas trop cher, ça va. Les transports, c'est ok aussi. Donc en gros, on se balade. On a visité, on a fait plein de photos que vous allez voir de plus en plus sur Instagram. Là, qu'on poste. Voilà, suivez-moi sur Instagram. Après, cette opération des yeux. Donc j'arrive dans ce truc, c'est e-farm. Ils ont littéralement 35 machines du même type en ligne. Et donc je fais mes tests le matin et après l'après-midi je me fais opérer. Ils me disent ok vous êtes compatible, il y a une IA et tout. C'est un truc de fou comment c'est évolué par rapport à tout le reste du monde, je vous le dis. Et donc l'ICL c'est encore une fois je vous répète c'est des implants dans chaque œil. Et cette opération dure environ 5 à 15 minutes par œil. Alors on dit que c'est court hein, mais moi perso moi je trouve pas ça court. Ils m'assoient et ils me foutent des gouttes sur les yeux pour m'anesthésier les yeux. Et donc là mes yeux ils devenaient très lourds parce que c'était l'anesthésie. Après j'arrive sur le billard, donc le docteur il arrive, il se présente, très calme. Mec vraiment j'étais impressionné. Il a fait mon œil droit en 5 minutes. Giga Chad, voilà. L'œil est terminé, j'ai un de ces soulagements de ouf. Mais l'œil gauche, dans ma tête le mec l'a fait en 3 minutes. 15 minutes après, j'ouvre un peu les yeux, il fait un check. Et mon œil gauche, j'ai un L comme ça, de blur. Et donc il me donne des gouttes pour enlever le blur. Le lendemain, je vais déjà ma vie. Pour vous dire à quel point c'est un truc de fou. Les jours passent, tout se passe nickel, ma vue s'améliore selon les jours. Je lis des trucs que j'ai jamais pu lire de toute ma vie avec des lunettes ou même des p***ins de jumelles. Je reviens une semaine plus tard, faire tous les tests, tout va bien. Donc je leur ai dit qu'il y avait un problème sur le gauche. Et là, en tant qu'influenceur, ils m'ont vraiment fait « Oh waouh !» tu vois. Et ils m'ont fait refaire toutes les batteries de tests. Ils m'ont même fait un nouveau test. Tu voyais mon œil en 3D? C'était insane. Et ils me disent « Il n'y a aucun problème. » Ta lentille, elle est bien placée, tout est bon. Et je suis plutôt content de l'opération. Voilà, je regrette pas. Et surtout que là vous me rassurez, tout le monde dit que c'est normal. Voilà, je l'ai fait. Et ça change la vie. Et pourquoi en Corée? Parce que c'est les meilleurs. Bon, ça m'a un peu niqué mon voyage. Il fallait vraiment que je me repose et tout. J'ai acheté 36 lunettes de soleil du coup, les gars. Du coup, j'ai acheté ces petites lunettes chez Gentle Monster. Apparemment, c'est une marque, voilà. J'ai acheté plein de trucs parce que je voulais toujours avoir un truc qui me protégeait mon œil. Petit drip, je me baladais comme ça, petit drip, voilà. Je me suis un peu régalé sur les lunettes de soleil parce que bon, maintenant, je peux en porter. Alors qu'avant, il fallait que je mette des lentilles pour en porter, c'était relou. Sinon, la Corée, c'est très sympa. On a fait plein de trucs, les gars. On a bouffé plein de trucs. On a visité des palais. On a fait plein de shopping aussi, comme vous avez pu le voir, les gars, dans mon drip. Donc là, les gars, j'ai fait l'opération des yeux. Donc là, j'ai les hashtag Sharigans. C'est ça? J'ai des Sharigans. Alors là, je vais vous mettre un peu de K-pop. Donc en fait, ça, d'après ma meuf, c'est des randoms qui dansent et espèrent avoir une carrière dans le K-pop. Drip check. Il faut que vous dripiez mon drip. Allez. Alors? Attends, 17, 17, c'est tout, il n'y a qu'un, les notes. Moins 107, ok. On va faire beaucoup de gacha, parce que moi, la tradition dit que dès que je vais dans un pays asiatique, il faut que je récupère un énorme doudou pour ma femme, sinon elle sera pas contente. Donc là, on est à Hongdae, là, vous voyez, petit magasin très sympa, ABC Mart, c'est cool pour acheter genre Adidas, Nike, etc. C'est l'équivalent de Go Sport. Là, il y a un truc de tir, c'est un stand de tir. J'ai une M4. Ah, tu choisis M4, sniper. Je suis pas trop familier avec ce genre d'outils. Je suis plus un sniper. C'est parti, les gars. C'est le moment où je montre au monde que je suis un sniper. T'as tiré là? Ah, oui, j'ai tiré. Ah. Ah. Mais c'est trop bas. Il y a du bullet drop, 4.
Attends, on va comparer avec les autres. Parce que là, tu fais le gars, mais regarde. C'est quoi l'excuse, là? Ouais, mais ils sont pas au sniper, ils sont à la mitraillette. Tu vois, là, un sniper, c'est un tir concentré. C'est des mitraillettes, ça. Ça, c'est des Gotaga, ça, tu vois, ça mitraille. Tu vois, ça, c'est Gotaga, ça. Ça mitraille. Il mitraille. Bon, en bref, c'est moi le boss. Voilà. Des churros? Ouais, je veux bien les churros. J'ai pas le droit de filmer mon opération, alors du coup, rien à f***. Je me régale. Et après, on va aller directement dans une salle arcade. Je te snipe, je m'en bats les couilles. Bah écoute, bonne chance, hein, parce qu'il y a de la foule ici. Mais ça m'étonnerait que je me fasse sniper, les gars. Il n'y a pas un monde où je me fais sniper. Je suis pas allé dans les salles en réseau, mais il faudrait. Parce que c'est la culture ici. C'est une véritable culture. C'est très joli. Des belles images. ZZ Games. Oh waouh, il y a un dragon. Oh, je veux le dragon. Oh, je veux le dragon. Oh waouh, il y a une M4. Faut tuer les petites peluches pour les gagner. Des peluches tous aussi mignonnes qu'une les autres. Oh waouh, c'est des loutres. C'est des loutres. Oh waouh. Il est en train de les préparer là. Donc les loutres, on sait que les loutres c'est intéressant, mesdames et messieurs. Alors il y a des gens très énervés, c'est très très énervé. Hey les gars, je me suis streamac. Y'a pas un monde où je me fais sniper. C'est quoi ton prénom? Arthur, enchanté. Les gars, on est avec Arthur qui m'a streamac, qui vit ici depuis un an. Non mais frérot, d'où je me fais streamac? Il y a que des affaires. Il m'a dit ah, pardon. Bon mec, maintenant je t'explique ta mission, c'est de gagner une loutre. On va voir si les streamackers sont bons. Tu mets 10 000, t'as 12 essais. 12 essais, 10 000 balles. C'est parti. T'as une seconde, t'as plus qu'une seconde. Si tu me l'achètes, first try frérot, je t'offre un sub. Oh mon dieu, oh, le sub. Mais t'es sérieux? Attends, mais c'est ça le scam? Non, non, mais là en fait, l'objectif c'est de rapprocher lui là. Ouais, tu le rapproches près du bord, comme ça il va tomber avec le. Avec le truc, tu sais, avec... Oh, mais j'ai tu... Non, mais tu me donnes mes balles, Chope... Attends, en vrai, il a pas des cordes. Oh, mais t'es un mètre. Oh, il est chaud. Je peux? Oui, vas-y. Attention, ma meuf prend les rênes. Ma meuf est une professionnelle. Arrête de dire ça. Oh, c'était pas mal. T'as joué sur le rebond? Stop. C'est vrai. Et en plus, je préfère le clair, moi. Ah, t'es relou. Ah ouais, je préfère le clair. Mais regarde, il m'a placé. Les gars, on s'est déjà fait choper 10 000 balles là. Ok. Moins 10 000 balles, vous pouvez noter. Bah viens, on arrête. Non, attends, on a mis 10 000 balles là, je peux pas m'arrêter. Tchat, tchat, j'ai mis 10 000 balles. Attends. Oh, ça va. Oh, il y a des foules qui s'attroupent. Hein. Tout le monde veut cette loutre, les gars. T'as à peu près 10 personnes qui te regardent en plus de ce qu'il y a. J'ai 10 specs en IRL. Allez, vas-y. Oh, elle est top. En plus, j'ai gagné, donc là, je peux vous dire, ils vont être drogués. Influenceurs jusqu'au bout. C'est lui que tu veux? Oui. Oh, waouh, ça va être chaud. Oh, waouh. Et là, tu chopes la tête? Au taquet, là. Oui, bah bien sûr, enfonce-le, en fait. Allez, vas-y, allez. Le jeune prodige. Ouh, la bascule! J'en ai marre, il joue avec mes nerfs! Allez! Oui, la bascule! Chut! S'il te plaît, je t'en supplie! Oh, oui! Oh, elle a eu du premier coup, non, les gars! C'est pas vrai. Boom. On continue ou on va chercher la famille de l'autre? Bien sûr qu'ils disent oui, bien sûr qu'ils disent oui! Ça, c'est un autre calibre de scam! Ça, c'est du big scam! Big scam! Mini. Ah oui. Alors par contre, c'est incroyablement difficile là. Allez, prends-le s'il te plaît. J'ai fait exprès de viser à côté parce que je crois que c'est mort. Oh, oui, voilà, c'est ça. Oh waouh. Non, je pense qu'il faut arrêter. Faut que je m'adapte par rapport à la changement de passe. Oh waouh. Elle s'est rapprochée. Oh waouh, il s'est rien passé. Si, elle s'est rapprochée. Regarde ça. C'est des scolons que ça. Oui, non, mais bien sûr. Ah, c'est bien, ça bouge. Oh waouh. C'est le méga scam. Allez, on va chercher la loutre. On va prendre la famille. Non, il faut pas faire avec eux. Non, non. Elle est bien cette technique là. Oh, oui. Oh. Il fait les mêmes gimmicks qu'on stream. Ah, je pleure. Les gars, j'ai 10 spectateurs. La loutre, elle a du succès. Oui. Non. T'as encore combien là? T'as combien sur toi là? Oh là là. T'as vu comment tu regardes ma poche là? Je vais y retourner et je vais me venger.
Elle est parfaite. On va tester les autres machines, hein. D'après Arthur, c'est mieux. Et là, l'autre me chuchote dans l'oreille qu'elle veut sa petite sœur. Elle est où, sa petite sœur? Voilà. Elle est où, sa petite sœur? Ah! Elle est ultra violente, en plus. Ok, là, je vois un ATM, là. Je vais retirer 300 000 balles, vous m'entendez? Je vais casser mon compte bancaire sur cette lutte. Alors, comment on gagne? En gros, t'achètes ce que tu veux. Et après, j'ouvre ma boule. Ah, donc, dans la boule, il y a une clé avec un... Ah ouais, c'est du loot box. Donc là, je mets 10 000 balles et je peux avoir n'importe quoi ici. Ouais. Donc, je peux avoir n'importe quoi ici, mec. Clic bleu. J'appuie sur bleu. Et t'as gagné quoi? Ouais. 374. Tu la vois, c'est quoi? Oh. C'est quoi? Oh, y a une poubelle pour jeter ça ou pas? De quoi, jeter quoi? Tu veux garder ça? Ok, en vrai, il n'y a aucune peluche qui me hype, donc c'est quoi qui t'hype, là? Déjà, il y a elle, ensuite il y a elle. Non, nul. Ensuite, ok, le lapin à la rigueur. Oh, waouh, la marmotte, elle est cool. C'est pas une marmotte, c'est un capot. Ok, c'est reparti. C'est combien? 442. 380. Oh, bah tiens, tu le voulais, celui-là? C'est pas mal, mais je trouve que c'est moins palpitant, quoi. Bon, il nous faut un plus gros sac. Ah ouais, mais t'as quand même des gros trucs, genre, tu peux vraiment gagner ça, genre. Mais je t'avoue que c'est moins palpitant. Je fais un petit coup de basket parce que j'adore ça. Attends, t'as un deuxième tour. Là, t'as un premier tour, t'atteins 50 points, deuxième tour, t'atteins 150 et ça relance. Attends, vraiment là? Ouais. Putain, ça fait bosser. Ah, mais ça bouge. Non plus. Plus haut. Aïe. Mais la dernière pour voir. Oh, ouais. Comme ça qu'on fait, quand ça soit que ça compte. Attends, j'ai vraiment mis ce frérot. Waouh. Ils ont vu ça? Putain, ils l'ont vu, waouh, je suis chaud. Ouais. J'ai envie de retourner dans l'autre là. Ah, on pourrait faire un karaoké, mais ça c'est cringe ça. Ok, je m'en fous, c'est ma loutre. Allez, poussez-vous. Allez, premier coup. Oh, pas mal. Oh, dans le câble. Comment ça? Magnifique. Mais non. Oh non, elle a bugué. Attends. Oui. Oh non. J'appelle la direction. Vas-y. Arthur, appelle la direction. Monsieur. La loutre. Bravo, félicitations. 10 000 balles seulement pour les loutres. Un génie. Attends, viens. Oh. Il est horrible. Attends, mais il est pas là pour déconner. Ça a mis la casquette, c'est du sérieux. Ah, il a dansé là. Je suis très déçu. La vieillesse. Donc là j'ai tué 2 sur 5. Bon, en gros il fallait 7 pour lui. 3 sur 5. T'en as 6 là sur 7 là. C'est contre les deux parties. Comment j'ai loupé? Oh, c'est incroyable. On est en train de voir les gros. Ouais, can I get with this? Je peux prendre là-bas? Tu veux le gros canard? Oui. Can I get the duck, please? J'ai le canard, les gars. Et du coup, il me reste. Attends, viens, j'ai donné un mec là qui travaille déjà. Bon, alors, maintenant, oh, les loutres, elles sont bien placées. Attends, je l'ai, elle. Je suis un pro. C'est de l'addiction, chat, c'est de l'addiction. Allez, soulève tes petites fesses là. Magnifique. Non, mais c'est trop grave. Ok, là on est d'accord, je prends celui-là. Comme ça bascule l'autre. Ça va basculer. Bascule.
Oh petit con. J'ai plus rien, c'est mon dernier pari. Je les veux toutes. Un chat qui dit genre il faudrait peut-être arrêter. Chut le cap, chut le cap. Oh merde, oh non. Oh le. Oh oh. Oh putain. Yeah. Yeah. C'est toute une famille là. Regardez. C'est bon non? On est bien là. Il y a un peu de place là. Arrête. Rentre là-dedans. Chat, c'était pas mal non? On arrête là, on fait un live une autre fois les gars. Alors là on va faire une petite boutique ABC Mart, je crois que c'est un truc coréen. Et La particularité à ABC c'est aussi plein de chaussures. Ah oui, et moins cher, et moins cher. Air Max blanche, classico. Oh ils sont là les Crocs d'élite. Elles sont swag. Oh waouh, il faut l'acheter ça. Oh waouh, c'est qui ce monsieur? C'est qui ce monsieur? Oh waouh. Oh waouh, Market A. Chat, on va se faire recadrer de toutes les boutiques. Parce qu'en fait, ici, ils aiment pas les vidéos. Parce que je crois que les mecs sont des énormes perves et prennent des vidéos sous les jupes des meufs. Pourquoi tu bouges tes oreilles? C'est vrai que Japon-Corée, en fait, si vous achetez le téléphone là-bas, il y a tout le temps le. Tu peux le pas supprimer, ouais. De l'appareil photo. Tu peux pas supprimer le clic de l'appareil photo. Donc à chaque fois, ton appareil photo, même en silencieux, il fera clic, 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 clic. Oh, des fraises, je veux les fraises. C'est des fraises sucrées, les gars, glacées. 10 euros. Là, il y a la main d'Iron Man, les gars. Ah oui, c'est la main d'Iron Man qui crame tout le monde. Attendez. Oh, waouh. Oh, chat, regardez, c'est ça que je voulais. Je voulais ça. Et du coup, il n'y a plus que des raisins. Eh hey, mec, il y a trop de gens sur cette planète, ça me casse les couilles. C'est vrai que c'est touristique ici, j'aime bien. Ouais. Il y a les fraises là. Ouais. Et regardez la queue, regardez la queue. Ça va loin. Vas-y, je fais pas la queue pour les fraises, les gars, c'est un truc de dingo. Ça, c'est quoi? C'est le même truc qu'il y a la dernière fois, ça, non? Ah non, tu tires bien sur tes boules, là. Ouais. Sur quoi? Oh, waouh. T'imagines qu'il gagne le Pikachu? Non, on veut lui. Regardez. Oh, waouh. Regarde, c'est un pistolet à billes. Et faut casser les fibres du papier. Oui. J'ai prévu le coup, j'ai pris de l'espèce. Fais voir. Fais voir. Regardez le drip de dos. Frérot, c'est impossible. Mais oh, je suis rentré dans ça. C'est traquenard. Oh le traquenard. Le traquenard. Et ça c'était 10 000 balles. Mais c'est un traquenard, Perrot. Ça bouge pas. Ah, faut tirer plusieurs fois au même endroit, mais c'est un truc de psychopathe. Oui, allez. Oh c'est terrifiant. C'est je suis obligé de remettre 10 000 balles. Je suis obligé. Ah, je passe ma truc là. Oui, let's go. Mais putain, c'est pas possible. Putain, on est sur Call of Duty Warzone ou quoi? Mais meurs. Putain, meurs. Oui. Dieu merci. Attends, du calme. T'as travaillé dur pour l'avoir. Mais pourquoi t'as pas pris lui? Quoi? Oh, merde. Oh le b... Bah oui. Game over. Game over. Tu l'as entendu ou pas? Il y a une résistance sur ce papier. J'ai jamais vu un tel papier aussi résistant. Bah attends, fais voir. 63. Non, mais tu gâches tout. Non, mais c'est Hello Kitty en live. 20 000 balles, ma Hello Kitty. En vrai, elle est mignonne. Attends, viens, dans viens, ces je cas-là, lui, tu fais lui, oui. Ok, j'ai deux balles et un rêve. Ouais. Je suis un maître de l'air. Ah, je suis un maître. 73, attends, prends. Ça, c'est un bar-restaurant. Tu descends là dans les escaliers, boum, tu tombes dans un truc stylé. T'as plein de petits escaliers cachés comme ça. Et frérot, je vois tout le monde avec des fraises, ça commence à m'énerver. Attends, c'est quoi ça? Quoi? C'est 1000 balles pour voir mon avenir? T'as un papier en fait, et c'est en fonction de ton signe astrologique chinois. Ah ouais? Ouais. On va voir mon avenir, chat. Elle fallait traduire ou pas? Ouais. Ah merde. Bah oui. Ok, tiens, et c'est quoi mon signe astro? Moi, je suis balance. Mais c'est non, pas c'est ça. 5 octobre 1990. Il dit cheval, hein. Ça m'a... Ça ressemble plus à une licorne. La pièce, elle rentre pas déjà, ça prend bien. T'as pas d'avenir. Il y a un robot là-bas, tu vas le taper sur le marteau. Oh, je vais te déglinguer. Mais ça va péter partout. Oh, c'est je m'attendais à mieux. Moi, ouais, grave. Oh mec, c'est un pavé. T'en as pour ton argent. Mais c'est un pavé César, frérot. Oh la flemme. Le mec m'a sorti un truc, ils ont fait ça sur une IA. Genre, ils peuvent pas juste me dire, tu seras riche et beau, genre. Les gars, je vous le laisse, vous le traduisez si vous voulez, et vous me dites mon avenir, hein, les gars. Au travail en janvier, même si le travail démarre en douceur, il y a de la solidité qui l'attend derrière. Bon, alors, allez, c'est bon. Faites attention okay, à chat, tout. Merci, chat GBT, merci pour mes 1000 balles. Oh, waouh. Ah non, mais ça, je fais pas. Hein. Chat, même pas en rêve, je fais ça.
Et il est chaud. Non, désolé les gars, je peux pas avec mes yeux. Il faut pas qu'il y ait de choc pour mes yeux, les gars. Je peux pas. De toute façon, j'aurais fait 800, les gars. Donc là, on est dans une artère. Tout au same place. C'est très illuminé, hein. Et vous voyez, tout est encore ouvert. Il est 22h, mesdames et messieurs, et on est en pleine semaine. Et tout est encore ouvert. C'est mieux la semaine que le week-end. Je recommande quand même. Vous savez où on arrive. Hein, les pros, ils savent. J'ai prévu d'aller capturer un max de loutres. Le but, c'est de prendre au moins 10 loutres. Le malade mental. C'est quoi Dark Fleck? C'est un tir à l'arc. Moi, j'ai fait du tir à l'arc quand j'étais en pension. Eh, ma photo Facebook, tu sais que c'est un tir à l'arc. Pension. Ma photo Facebook, quand je t'ai rencontré, c'était un tir à l'arc. Et c'est comme ça que je t'ai dragué. J'étais comme ça, regarde. Ah, t'es belle. Et du coup, elle est tombée sur mon charme. Cringe. Bah, les gars, bienvenue sur TikTok, quoi. Tu veux que je fasse un floss au milieu de la plage? Pourquoi il y a l'autre qui flosse dans la rue? Tu m'excuses, j'étais en train de flosser. Pardon, reprends. Non, j'en vais. Moi, je t'ai maîtrisé. Ça va ou quoi? Je veux montrer la tête. On s'est streamac en plein live. Elle m'a sauvé le flossing. Elle m'a sauvé du floss cringe. Et Lémi vient de revoir son pote d'enfance. Non, mais on est où? Et comment tu m'as connu? Bah, j'y vais. Le S. Aïe, 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 dis-le. Je suis le pote de Squeezie. Voilà, c'est bon, allez, c'est bon. Bah, écoute, merci. Merci d'avoir dit bonjour. Le pote de Squeezie, classique. Ton pote d'enfance, c'est qui? Non, c'est un pote de Squeezie. Ah, ouais, ok. Beaucoup de hasard ce soir, mesdames et messieurs. Les FR sont très nombreux ici. Bah, vas-y, c'est bon. Moi, je vais aller chercher mes loutres. Je vais aller perdre mon argent. Oh, par contre, le setup. Viens de sortir sa petite liasse là. Alors, il faut viser le cap, chat. Et là, j'ai pas visé le cap. Oh, c'est pas mal. Oh, ça, j'ai oublié la sensation terrible de ce jeu de merde. Le cap, je l'ai. Je l'ai. Il est beau. Oh, le cap. Lâche cette loutre. Lâche cette loutre. Les gars, j'ai fait une magistrale. Oh yeah, okay. It's really stuck. Bah oui, t'as pris le gros sac, d'accord. Au qu'à faire. Oui, bah oui. C'est horrible. Ils sont pas Arthur. Non, le chat est là, t'en fais pas. J'étais à deux points de la pince. Ça va Arthur? Pardon. J'avais voulu me laisser comme ça, chat. Hein. Oh mon dieu! J'ai eu le cap. Est-ce qu'il est en train de comprendre que t'as compris? Je prends. Ah ok. Mais dans tous les cas, il sait qu'il est gagnant. Oui, c'est vrai. Il faudra lui rappeler. Ouais, non. Oh, si. Oh, direct. Oh wow. La tête. Oh, wow. Non, le cul. Attends. Non, la tête. Non, le cul, non. La tête. C'est le cul. Oh, le con. Si. Le farmer de l'eau. Boum. Elles sont d'une douceur. Je vous dis, c'est incroyable. Une pause sur un autre jeu. Ah oui. Are you okay with an interview with me? I have a question for you. Okay. Do you like Locklear? Yeah. Ah yeah. Yeah, I like it too. C'est incroyable. Il m'a eu. Hein. Vas-y les gars. Moi j'aime bien Dragon, mais il a l'air chaud. Hein. Bah lui, il a l'air trop. Ça sert à rien ça. Oh là là, et ça sert à quoi? Ça c'est mignon. Ça sert à rien. C'est un pot de fleurs. Oui, tu as un pot de fleurs. Peut-être c'est la tête lui. Oh wow. Mais pour le rapprocher, frérot. Oh, pas mal. Si je l'accroche, c'est bon. Oh, wow. Oh, oui. Allez, le chat. La tête, là. Tu fais quoi? Non, le con. La tête. Attends, qu'est-ce qu'elle me fait, là? Oh. Magistral. Boum. Ok, 9 tries pour la manche. Attends, incroyable. Ça se passe bien là. Attends, mais je suis qui? Mais qui est ce temps? Ah, c'est comme ça que ça se passe. Ça va bien? Je suis pas Squeezie, hein. C'est bon, tranquille. J'ai découvert par une amie à moi.
Papa Squeezie. Attends, il faut immortaliser ce moment. Tu peux montrer la caméra, c'est bon? Oui. Elle m'a connu et Papa Squeezie. Eh ouais, les gars. Pas de soucis, vas-y. Celui-là était particulièrement sympa. Mais là, t'es au courant, une valise. Hein. Ça, c'est une valise. Tu veux le faire? Par contre, lui, il est balèze. Hein. Je sais pas comment on va l'avoir. C'est mes derniers 10 000. Aïe, aïe, aïe. C'est les derniers 10 000. Comment tu te sens? Non, ok, attends, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, pardon. Non, mais regarde, il y a l'oreille de l'autre là. Ouh, c'est la tête. Oh non. C'est la tête. Pousse-le. Ah, j'avoue. La bouche. Allez. Pan. Allez. Pan. T'imagines là, hein. Oh. T'imagines. Oh, c'est incroyable ce que je viens de faire. Mec, je l'ai. C'est comme ça que tu fais. Oh, waouh. T'imagines, c'est lui qu'il faut choper. Chope les fesses. Mon. Oh. Je tente un truc de débile. Oh waouh. Tu vois le câble, j'ai bien envie de tester. Oh waouh. Vas-y, en vrai celui-là. Pas mal. Prends la tête comme ça, ça bascule. Non, là je ruine tout. Si, vas-y, prends non, la tête. Je ruine tout, si je prends la tête. Je ruine tout, je te dis. Non, prends la tête. Allez, s'il te plaît, bascule. Tiens, t'en as raison. Non, je le savais, bande d'idiots. C'est pas notre faute, c'est lui. Il l'a mal pris, c'est lui, c'est sa faute. Je le savais, là, c'est fini. Elle. Ouais, non, j'arrête. Là, j'ai mon reset de celui-là, j'ai bien envie de celui-là. Can you reset position, please? Oh, yeah. Okay. Thank you. What? Ah, better. thank you. C'est comme là, tu la rapproches et à la fin, tu prends la tête. Oh. Oh putain, y'a un monde. Y'a un monde. Non, je te mets. Maître de. Attends, il est trop mime. Ok, 7 loutres, les gars, 300 euros. Franchement, ça va. Les gars, vous n'imaginez pas, par exemple, au Japon, à quel point c'était méga cher. Et là, on sort avec deux sacs remplis de peluches. Et voilà, vous voyez, c'est animé. Hein. Là, il est minuit. Et on peut remercier beaucoup Arthur d'avoir tenu la caméra et d'avoir été méga stable. Ah ouais, la Corée, les gars, c'est un véritable fléau. T'as envie de péter toute ta thune. Et les gens sont sympas, ils sont disciplinés. J'espère que vous avez kiffé les gars. À très bientôt. Prenez soin de vous, mangez bien, dormez bien. Je suis très actif sur Instagram, donc suivez-moi. Cacabot Prime les gars, je vous en supplie. Parce que c'est l'autre, elle m'en coûte bien cher ce soir. Et des gros bisous.